J'aurais besoin des galettes que j'ai réalisées donc récemment. Il va me falloir du filet de poulet et du fromage à raclette. Les amis, très simple, je récupère une galette, je la mets à chauffer donc dans la poêle. Donc à savoir que ma galette, moi, elle est un petit peu chaude parce que je viens de réaliser donc cette recette. Donc là, on va légèrement la chauffer. Donc là, je suis pas trop fort, je suis vraiment sur 3. On peut aller sur 2, il n'y a pas de problème. Donc le but du jeu maintenant, c'est de récupérer un filet de poulet. Alors vous avez plusieurs options, soit vous le coupez en petits morceaux et vous le déposez donc au fond de la galette, ou soit vous le laissez comme ça entier comme moi. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête et de réaliser quelque chose de facile et de rapide. Alors ensuite, je récupère le fromage à raclette. Alors il y a beaucoup de gens qui ne consomment pas la croûte. Vous allez pouvoir la retirer ou la laisser. Donc moi, je pense que je vais la retirer parce que ma famille là-haut, ils vont m'engueuler là. Ils vont dire, ah, t'as laissé la croûte, faut l'enlever. Ok, ok, pas trop. Alors le but du jeu maintenant, c'est de récupérer donc vos fromages à raclette. Vous les recoupez en petits morceaux. Et on va venir donc les disposer comme ça gentiment pour qu'il y en ait vraiment partout. Alors vous en mettez autant que vous voulez. Mais là, après, au niveau du pliage, on risque d'avoir des problèmes. Donc ça, je vais le descendre un petit peu, comme ça je vais plier à ce niveau-là. Et on laisse chauffer tranquillement. On va pouvoir le plier. Ça sent déjà bon, les amis. Et de temps en temps, on va pouvoir retourner comme ceci là pour être sûr que ça chauffe de partout. Et surtout, le feu pas trop fort. Sinon, vous allez faire cuire l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire le fromage et le poulet ne seront pas chauds. Donc on y va sur un feu doux. Calmement. J'en profite pour déposer une seconde galette à chauffer. Donc je la mets à chauffer des deux côtés. Alors je sais, les amis, que pour le régime, c'est pas le top. Mais bon, là, on a une excuse, c'est l'hiver. Il fait très froid et en plus, il a neigé ces derniers temps. Donc raison de plus pour recharger nos batteries. Donc là, je dépose un filet de poulet par-dessus le fromage à raclette. Alors il sent un peu fort ce fromage. Mais après, vous mettez le fromage que vous aimez. Si vous aimez d'autres fromages un peu moins forts, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Alors quand on juge que c'est suffisamment chaud, on vient replier voilà, les deux parties. Les amis, le reste est en train de cuire, mais là, faut que je passe aux dédicaces parce que je suis pressé de goûter ces petites merveilles. Ouh, allez, en dédicace aujourd'hui, Vecox, Myriam, ensuite Bilka, La Voie Lactée, Free World, Angie, Maylis et Sherifa, les amis. Bon, c'est un peu chaud, hein, paraît-il. Mais c'est pas grave, on prend des risques pour ses abonnés. Les amis, regardez-moi ça, c'est un truc de malade. Allez, c'est parti. Les amis, quand on a fait du sport, quand on s'est bien dépensé, quand on l'a surtout bien mérité, eh bien de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Parce que là, c'est super bon, on se régale. On mangera pas ça cet été. Par contre, là, il fait super froid, donc c'est une bonne excuse. Régalez-vous avec cette recette, c'est vraiment super bon. Donc comme d'habitude, si vous réalisez la recette, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos photos sur ma page Facebook.